Bonjour. Alors, Pâques, oui, Pâques arrive à grands pas, et j'ai pensé que tu aurais sans doute l'occasion de te servir d'un des slides de ce template que j'ai réalisé sur PowerPoint. Tu peux t'en servir pour ta page de présentation ou de fin en mettant le lien d'un cadeau de Pâques, par exemple. Ils sont simples à modifier, je te montre comment faire. Alors, le tout premier slide, j'ai mis un fond que tu peux changer avec une image de la photothèque ou prise sur le site d'images ou une photo que tu as déjà. Ensuite, j'ai mis des œufs, symbole de cette fête pour les enfants, la chasse aux œufs, tu connais sûrement. J'ai ajouté la fenêtre d'une maison et un lapin très content de voir tous ces œufs qui sont devant sa fenêtre. Bien entendu, tu peux modifier ou remplacer chaque élément. Alors, pour modifier ou remplacer chaque élément, c'est assez simple. Par exemple, sur le fond, tu cliques droit et tu vas changer d'image à partir de la photothèque, de l'appareil, ou comme tu veux, et du coup, ça te changera ton fond. Pour les éléments autres, c'est pareil, tu cliques dessus et tu changes l'image. C'est aussi simple que ça. Tu peux bien sûr modifier les animations que j'avais prévues si tu veux les mettre autrement et que les éléments surtout se présentent différemment. Et aussi, tu peux ajouter du texte en fonction de ton utilisation prévue. Dans le deuxième slide, j'ai mis un chien. Alors pourquoi j'ai mis un chien? Ça me fait penser à une chienne que j'avais. Je te raconte. Cette année-là, j'avais mes trois petits-enfants pour les vacances de Pâques et bien sûr, j'avais mis des chocolats de Pâques cachés un peu partout dans le jardin. Mais lorsque les petits sont arrivés dans le jardin, un chien gourmand était passé avant eux et avait déjà mangé une bonne partie de la récolte de chocolat. Heureusement, vu son poids qui faisait quand même 35 kilos, ma chienne n'a pas été malade, mais ça aurait pu. Si tu mets des chocolats, que tu les caches dans le jardin, garde-toi bien d'enfermer ton chien, sinon il les mangera. L'animation dans ce slide est simple, mais tu peux ajouter une animation pour faire avancer le chien, par exemple. Dans le dernier slide, j'y ai mis plusieurs personnages à la recherche des œufs. Là encore, tu peux changer, modifier, ajouter, faire ce que tu veux. Tu peux aussi déplacer chaque élément, modifier l'animation, ajouter un texte. J'espère que ce petit template va te plaire. Je l'ai fait pour t'aider pour Pâques. Tu peux aussi t'en servir comme carte virtuelle. Si tu enregistres en image GIF un slide, ça te fera l'image GIF d'un seul slide. Si tu enregistres le template complet en GIF, eh bien ça te fera une image GIF un petit peu plus longue. Je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous pour télécharger le template gratuitement, je te l'offre. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À très vite!